heureux les gens, on se retrouve pour l'épisode, le jour numéro 3 de The Tournament. Ça passe tellement vite, hein, voilà, on est déjà jour 3 quoi. Alors j'ai l'impression que ça fait même pas quelques minutes qu'on joue quoi. Et faut se dire que jour 5, jour 6, eh ben il y a les murs qui commencent à se rapprocher, donc il faut aller se fight. Hein. Donc en fait ça passe extrêmement vite. Hein. Un truc de fou. Hein. Donc comme d'habitude, hein, je vous fais un petit topo la dernière fois, si vous vous rappelez bien, j'avais eu une chatte, faut le dire, je suis désolé, il faut le dire, une chatte de fou, très clairement, une lucky de fou. J'ai trouvé masse diams, cherché un lac de lave, j'ai trouvé de lac de lave en quelques secondes. Et voilà quoi, vraiment depuis le début là, entre les bouquins et tout, je me dis comme dit que je vais peut-être pouvoir faire quelque chose face aux titans qui sont en face de nous. Et Jim, il est chaud. Il est chaud, Jim. Il est chaud, Jim, il est chaud là, il est enchanté, attention là. Putain, regardez-moi ça, je l'ai pas vu, je suis passé à côté, je l'ai pas vu, honte à moi. Bon voilà, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non mais il y a un problème là. Il y a un putain de problème là. C'est normal, les filons, c'est normal, si bien. C'est normal des fillons de 6 diams. Bon mais j'ai mon stuff diams full, hein, j'ai mon full stuff diams. Mais c'est normal. Franchement je me pose la question. Si c'est pas... c'est chelou. Hein. Je comprends plus les gens là. Je me retrouve avec 28 diams sur moi là, je comprends plus. Bon, on va se faire plaisir, hein, c'est parti. Allez, regardez-moi ça, c'est pas beau les gens. On a réussi notre mission. Le full... Attends, putain de zombie. Le full stop diams. Putain les gens, on y est. Tac, tac. Bon, les deux là, je vais les garder pour Captain. Ils voulaient faire un jukebox, mais je vais leur donner. Oh! Non! J'ai récupéré. Mais c'est bon. Oh, j'avais peur qu'ils fassent sauter le diamant et tout, que j'ai droppé par terre. Putain de creeper. Ah, j'ai de la chance, d'un autre côté, vous avez vu que on essaye de me calmer hein, tout de même. Hein. C'est violent. Du coup, hop. Voilà. Monster Hunter de Ake. Moi, je me fais la petite enclume des familles. Parce que on va se faire ce que vous savez, hein, le putain d'arc. What the fuck. Ah, merde, j'ai pas assez de stick. Fuck. Fuck. Ben là je gibelle avec des sticks, hein. Surtout il va falloir pour faire les épées. Merde, j'ai plus de place. Bon, hop, tant pis. Du coup, on va poser l'enchant. J'ai peur de me faire attaquer en fait là. Je suis très à découvert, on a pu voir le creeper à 2 secondes. Mais bon, écoutez, on est des fous, on continue. Du coup, on regarde un peu tout ce qu'on a comme d'hab. Alors attendez, est-ce que je peux faire une bibliothèque? Je crois que je peux faire une bibliothèque. Donc écoutez, même limite, j'aurais dû essayer d'avoir une fortune. Hein. Si vous vous rappelez, sous Dev 2, c'était la même chose. Hein. On avait trouvé masse diams avec Captain, mais en plus, on avait la fortune. Quoi. Et c'est comme ça, à la fin, qu'on avait un stock de fou. Hein. Et là, comme dit, ça continue comme ça, ça va être le cas. Oh merde, j'ai plus de bois, non. Ah. Bon, tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Alors lui, ça déjà, je le perds direct. Hein. Hein, ça c'est sûr. Le protection 3 sur plastron, il va faire du bien. Là, on va foutre. On va foutre que des power, voilà. Lapis, merci. Power 1. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attends d'abord, on regarde toujours l'épée. Toujours un petit coup sur l'épée, voir si ça n'a pas une petite fire aspect. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. J'ai tellement de chance que bon, on sait jamais. Zombie, putain. Eh, ouvre que j'ai l'oreille, hein. Putain. Vas-y, là. Non. Dégage de ma table d'enchant et de mon stuff. Attendez, on va vraiment reculer, là. J'ai vraiment pas envie de faire le con. Même si la table d'enchant, je crois qu'elle résiste, hein, vu qu'elle est faite en opsy. Ok. Maintenant, stop, là, stop. Franchement, là. Foutez-moi la paix, là. Putain de mob.
Bon, du coup, 10 avis, toujours vérifier. Voilà. Sinon, j'avoue que j'aimerais bien focus avec les bouquins, les protections. Mais on va aussi mettre un power sur un bouquin pour avoir le power 3. Cela, j'ai power 2 et manque un power. Et il est là. Voilà. Et après, je pourrais toujours aller chercher la surface pour avoir plus de bouquins et tout. Ça, c'est faisable. Hein. C'est pas ça qui va truc. Power 2. Non, pas tout de suite. On va le mettre à la fin. Si déjà. Power 3. Et le Power 3 Flame, c'est 5 niveaux aussi. Parfait. Donc, vous voyez très clairement. Oh, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Vous voyez très clairement. Dès que je suis bien stuff, niveau enchant et tout, je monte farmer les flèches. Hein, et je me dirige vers le tournament. Au moins, je pourrais me placer dans l'arène, me trouver un bon petit spot. Et là, je vais faire tellement mal avec mes flames. Bien sûr, je leur dis pas dans le chat, hein, sinon j'ai envie que ce soit la surprise, quoi. J'ai envie qu'ils soient là en mode What? Il a un flame? What the fuck? Ah ouais, j'ai envie que ce soit clairement la surprise. Ah ouais, mais je sens que ça va être un putain d'événement. Hein. Pas parce que je suis putain de stuff, hein. Pas qu'à cause de ça. Un peu quand même, mais pas qu'à cause de ça, quoi. Surtout que. Y a tout le monde qui a du diamant, quoi, sauf Captain, mais bon, il y a quasiment tout le monde qui a trouvé du diamant très rapidement et tout. Et pas qu'un peu, j'ai l'impression, donc. Ouais. Tout sauf force. Hop. On prend l'XP. Donc c'est bon. Par contre, s'il demande ça, c'est-à-dire qu'il est peut-être dans Nether. J'avoue que moi, le seul truc que je ferais, enfin que j'ai envie, c'est d'aller dans le Nether, mais pour l'XP. Après, d'un autre côté, il y a le PVP dans le Nether. J'ai pas envie de me fight. De 1, j'ai pas envie de me fight dans le Nether, parce qu'il y a l'arène. Et puis voilà, quoi. J'ai vraiment pas envie de me fight dans le Nether alors qu'il y a l'arène, quoi. Même si, très clairement, avec mon Power 3 Flame, et même si que cette flèche, ça peut faire très mal, quoi. Ça peut désorienter et faire très mal à l'ennemi. Et j'avoue que là, très clairement, ce qu'il me faut, c'est des levels. C'est masse level. Ah ouais, très clairement, là, c'est ça qu'il me faut. Parce que j'ai pas de level. Ah, on dégage tout, ça me sert à rien. On va faire cuire la bouffe, par contre, au moins, on est tranquille. J'aurais dû le faire dès le début. Franchement, l'or, je le garde, mais très clairement, je veux pas l'utiliser. Ah, ça, c'est une canne à pêche, au cas où. Mais bon, je veux pas la canne à pêche. Hein. Je suis pas comme Jim et Dedo. Et même Zipou, apparemment, j'étais choqué, quoi. Que je dis pou lui aussi joue à la canne à pêche. Ça on va garder au cas où, hein, voilà. Petit popo de rapidité, on sait jamais. Et voilà. On est très bien, il faut juste du coup masse XP. Donc on va retourner tout simplement, mais enfin on va retourner. On va aller à nos grottes là au-dessus. Hein. C'est que dans les grottes on peut trouver du charbon et tout. Pour pouvoir s'XP ou même des squelettes pour les flèches. Yes, allez, deux flèches en plus. C'est gratuit, ça fait plaisir. Mais voilà, je suis très bien les gens. Oh, franchement, je suis très bien. Non mais je me rends toujours pas compte en fait là de cet événement là qui prend des tournures, mais entre des filons de 6 diams, j'ai quasiment que eu ça en fait. Hein. Meetup. Je crois que c'est 5-6, non? 5-6? Cinq, six, je crois. C'est ça Meetup, hein. Meetup c'est RDV00. Ouais, 5-6. Et là on est au 3. Ok. Donc ouais, franchement, très clairement, je m'attendais pas à avoir autant de chat, quoi. Je me suis dit, voilà, comme d'habitude, hein, je vais peut-être trouver un peu de diable, je vais faire un petit plastron et tout, ça va être sympa. Mais là, je suis très bien. Et comme je vous l'ai déjà dit, tant mieux, parce qu'en face, il y a du Jim, il y a du Gedo. Hein. Faut pas l'oublier ça. Et du coup, Zipou aussi, je sais pas comment il joue maintenant, peut-être qu'il est devenu hyper fort, quoi. On sait pas, hein. Vu qu'il joue à la canne à pêche, je me pose des questions, quoi. Oh yes. Bon, bah en fait, quand j'irai chercher les poules et tout pour les flèches, j'irai quand même faire un petit détour, voir si je peux pas avoir une petite pomme en plus. Voilà, deux petites pommes d'or, c'est toujours sympa, c'est cool. J'ai pas de bouffe, enfin, ici elle est en train de cuire, donc j'attends. Ouais, là, ce qui serait top, ça serait du P2 partout. Voilà, ça c'est mon truc, j'ai envie maintenant. Une petite charnesse 3 sur l'épée, du P2 partout. Ça, c'est mon but. Voilà, je vous dis clairement mon but. P2 partout sur le reste. Donc, ça pourra aller à l'extérieur pour chercher des bouquins et tout. P2 partout. Masse flèche pour l'arc. Et une simple charnesse 3 qui fera, je pense,
largement l'affaire. Après, comme d'habitude, si on peut avoir plus, je dis pas non, quoi. Comme d'habitude, hein, c'est toujours ça, on dit jamais non. Hein. Si on peut avoir un Fire Aspect en plus, ou n'importe, hein. C'est toujours sympa. Ouais, je bouge pas dans le nether, hein, comme dit. Hein. Je sais, voilà, je bouge pas, du coup, ça a pas trop épicé, on va dire, pimenté cet event, hein, le seul moment. Mais voilà, pour moi, le seul moment où très clairement j'ai envie que ça se pimente et tout, ça soit à la fin, du coup, quand on se rejoint à l'arène, quoi. Eux qui ont survécu au nether et tout. En tout cas, pour l'instant, ça va, je suis content. Il n'y a aucun des joueurs qui a eu besoin d'utiliser son bonus hein, contre le PvE. C'est cool. Malgré le nombre incalculable de mobs, c'est cool. Du coup, je favorise quoi? L'épée d'abord? Bon, non. Vu que j'ai du knockback et tout, là, je vais d'abord favoriser. Non, c'est pas possible là. Stop, j'entends un zombie. Oh putain! Ah, ça m'énerve les gens là! C'est bon, à peine j'ouvre le passage ici, on se fait agresser tous les 2 secondes, quoi. Hop. Ah, de la merde, de la merde. Non. Putain, non! En plus, j'ai enlevé tout mon stuff, là. Dégage. Eh, faut avoir l'oreille, hein. Faut avoir les oreilles, là, très clairement, parce que je les entends, mais vite fait, quoi. Ah, yes. Et attendez, j'avais quoi sur les bouquins? Power, ok, non. Protection 1. Nice. Et surtout, c'est parfait, comme dit là, le Power 3 Flame, c'est parfait, comme dit. Jim et Edom, ils sont très forts, mais au corps à corps, quoi. Donc moi, si j'arrive à les retenir de loin, sans spambo non plus, mais les retenir de loin, ça peut être sympa. Par contre, le breaking, c'était pas nécessaire. Hein. C'est toujours sympa, mais après, il va falloir payer un peu plus, je crois. Ah, GG, des dogs qui ont enchanté. Ok, rien d'intéressant. Là, j'ai le break. Un break. Ok, non. Protection 1. Nice. Protection 1. Nice. J'ai pas le droit d'aller les épées, mais c'est pas grave. Parce qu'au moins, je peux direct me faire le petit P2 sur les bottes. Et il me faut des levels. Malheureusement, je sais pas s'il y a beaucoup de gens. J'aimerais bien être dans le Nether, hein. Ça irait tellement plus vite. Et là, je me stufferais tellement plus vite. Cela, on va déjà être jour 4, hein, pour pas l'oublier. Hein. Et donc après, j'aurais plus beaucoup de temps pour chercher les plumes et tout. Hein. Oh, prends ça lag là. C'est. Ouais. Merci. Donc ouais, dans le Nether, ça irait tellement plus vite. D'un autre côté, du coup, le Nether, c'est tellement plus dangereux. Alors que là, comme dit Overboard, si on se croise, bah, tant pis, quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas de PVP, quoi. C'est tranquille. Mais là, ouais, là, c'est chaud, sinon. Ah, j'entends de l'eau, mais je pense que c'est la faille. Je pense que c'est la faille à droite, là. J'ai pas envie d'aller voir. Je continue de miner. Du coup, ouais, un truc de fou. Truc de fou, ce The Tournament, il porte bien son nom, là, le tournoi, parce que très clairement, je pense qu'il va être très disputé le titre de champion, hein, champion des joueurs minecraftiens de notre petite communauté, on peut dire. Hein. Là, il va être très très convoité, je pense. Hein. Très 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 convoité, là. Il y a tout le monde qui est diable, c'est tout, comme dit. Sauf le capitaine, hein, voilà. Mais sinon, j'entends une grotte, là. J'entends une grotte, ce sera quand même bien, une petite grotte. Non. Ok. Donc ouais, sauf de Captain comme dit, mais bon. Il va pouvoir quand même s'en sortir, je pense. Surtout comme dit, hein, t'es que aura de feu. GG. Si tu savais ce que j'ai faire. Perso. Ah ouais, c'est bien aura de feu. C'est bien Fire Aspect. Mais s'il savait ce que moi j'ai sur l'arc, j'ai le cousin de la Fire Aspect. J'ai très clairement le cousin de la Fire Aspect. Et ouais, clairement, s'il savait ça, mais bah, s'il arrive jusqu'à l'arène, hein, s'il arrive vivant en entier jusqu'à l'arène, ben bah, là, il sera. Il goûtera même à cet arc. P3 fa Flame, je veux dire Fire Aspect. P3 Flame, ah ouais. Boum. Il va y goûter. S'il arrive jusqu'à l'arène, bien sûr. Après, bien sûr, moi j'ai peur de perdre mon contrôle, de perdre mon sang-froid, quoi. Genre de Jim ou autre qui me fonce dessus malgré les tirs que je lui envoie. Surtout, voilà, les connaissants, eux, ils sont tellement pro PVP, faut le dire, quoi. Ils sont tellement pro PVP que, voilà, quoi. Alors, le flame, ça va les surprendre au début. Mais après, à chaque fois qu'ils vont se prendre une flèche de feu, ils vont direct se foutre un seau d'eau, quoi. Ils vont se foutre un seau d'eau à la vitesse de l'éclair.
Et donc s'il me rush lui avec une épée par exemple Sharpness 4 Fire Aspect, eh ben là ça change quoi. Parce que quand on regarde, on a l'impression que j'ai un putain de stuff de fou, genre P3 sur plastron, bientôt full P2 partout si j'y arrive, le flame. Mais en fait quand on regarde, si eux ils peuvent avoir 10 fois mieux que moi. Hein. Quand on regarde, ils peuvent avoir 10 fois mieux que moi et je peux être une grosse merde par rapport à eux, quoi. Si on regarde bien. Hein. Ouais, c'est vrai, quand on y pense maintenant, c'est vrai. Hein. Sur ça, j'ai. Ça, j'en ai eu dans l'arène de base. Dans l'arène, je voulais laisser tout plat. D'ailleurs, je tiens à le dire, je remercie Shoniki, qui n'est pas présent dans cet événement, malheureusement, parce qu'il n'a pas de l'ordi. Hein. Malheureusement, il n'a pas quand il veut. Mais je tiens, j'ai oublié de le faire au début, je m'en excuse, je tiens à le remercier parce que c'est lui qui m'a donné de nombreuses idées pour l'arène. Le design et tout, c'était moi, mais sinon, pour pouvoir. Voilà, au début, je voulais laisser tout plat. Mais après, c'est lui qui m'a donné l'idée de rajouter des petits murets, des petits. Voilà, des échelles par-ci par-là, des escaliers pour pouvoir se mettre au-dessus et tout. C'est lui qui m'a donné cette idée-là. C'est aussi lui qui m'a donné plusieurs idées, comme mettre de la verdure et des arbres tout autour de l'arène, par exemple. Voilà, c'est tout ce genre de truc qui m'a aidé à faire, et j'ai oublié de le dire, et je m'en excuse, quoi, parce que c'est grâce à toutes ces petites idées en plus que l'arène a. Voilà quoi, que l'arène ressemble à ce qu'elle ressemble quoi. Tout simplement. Voilà. Donc Sean, quand tu verras cet épisode, voilà, merci beaucoup. Pour tous tes bons conseils et tout, qui ont fait du coup que l'arène est vraiment très belle maintenant. Elle n'est pas non plus totalement achevée, mais elle est correcte pour 6 joueurs en tout cas, qui vont juste se PvP dedans pendant peut-être 5 minutes, quoi. Bon, là vous avez vu, là j'ai plus de chance, c'est fini. Hein, voilà, c'était vraiment. Au début j'ai enchaîné la chatte, hein, faut le dire. Et là c'est fini. Voilà. Là c'est. Je mine en ligne droite 5000 blocs, je n'ai rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut, quoi. Là, tout ce qu'il me faut c'est level, hein, c'est tout ce qu'il me faut. Et ouais, le diable sinon, il me pisse dessus maintenant. En même temps, j'en ai plus besoin, donc il doit se dire hey, poteau, c'est bon, hein. C'est bon, là je t'ai. Je t'ai assez envoyé mes amis, maintenant tu te démerdes. Hein. T'as ce qu'il faut pour gérer, alors maintenant tu gères avec ce que t'as. Et puis, hein, je vais tenter. Je vais tenter de faire des kills. Pour ça, j'aimerais plus vite être dans l'arène quand même, parce que ça arrive d'aller assez vite quand on regarde. Hein. On n'est que 6. Hein. Il faut juste que, voilà, Jim, il s'en fasse 2. Dedo, il s'en fasse 2. Et puis, il reste plus personne, quoi. Enfin, quoi que, attends. 1, 2. Bah non, mais du coup c'est pas possible. Parce que du coup, si je dis que Jim s'en fait 2 et Dead of 2, ça veut dire qu'il se fait moi dans l'histoire. Mais non, non, c'est impossible. Voilà, on s'est compris quoi. Ça peut aller très vite quoi. Il peut avoir très très vite quasiment plus aucun joueur quoi. Et j'ai pas envie de débarquer en mode, il y a tous les fights qui sont terminés et genre je tue le dernier ou je fais un fight contre le dernier et je gagne quoi. Sans avoir participé au dernier. J'ai vraiment pas. Oh Fire Aspect! Oui! Yes! Wouhou! Ah je vous dis je suis seul là. Je vous dis je suis seul là. Fire Aspect! Bim! Si level. Ah il faut trop que j'aille dans le Nether, hein. Putain. Ah si je vais dans le Nether, les gens, si je croise quelqu'un, Flame Fire Aspect, le mec, je suis un pyromane. Je suis un pyromane. Titre de l'épisode final, qui sait? Je suis un pyromane. Parce que je brûlerai tout le monde à distance, je brûlerai tout le monde. Au corps à corps, c'est pas possible. Ils vont croire encore que j'ai cheaté alors que vous avez bel et bien vu quoi. Il y a tout qui est venu naturellement, je veux dire. C'est un truc de fou là ce qui est en train de se passer quoi. Là, l'enchante, voilà quoi. Je m'attendais pas du tout. Je me suis dit, comme dit, hop, Sharpness 3 et voilà, c'est réglé. Eh ben non. Là, la chatte est encore avec moi. C'est un truc de fou, putain. Je vais avoir la Fire Aspect quoi. Oh, putain. Deux. Alors, en même temps, c'est les deux qui me restent. Donc c'est normal. Ouais, je vais utiliser l'épée que j'utilise d'habitude. Ah, ça, je te dis pas à dire. Ah, c'est connu, j'ai deux diams, mais après, voilà quoi. C'est pas les seuls que j'ai eu. Allez, gens, nouvelle journée, j'ai assez de level. On va se faire respect dans la quatrième journée. À plus!